Vous avez compris? On décharge 10, 8, 6, 6. Mais il y a 10 normales, 8 avec une première limite d'amplitude, 6 avec une autre limite, donc là ça devient faible. Et après, on enlève les coussins et c'est max de répass. Enfin. Mais on ne décharge pas, c'est toujours la même charge. Toujours la même charge, ok. Mais juste l'amplitude, elle est moins haute. L'amplitude entière. Et sur quoi l'amplitude, ouais, exactement. Et tu fais le max de rep. Ça va être encore une séance vraiment infernale. Un samedi comme les autres. Ça ce n'est que. Après, regarde, la prog, elle fait toute une page. Ça peut être après un PR. Les ahuris du village. Qu'est-ce qui s'annonce? Tu sais que moi j'ai rien compris. Là en fait ça va être dans tous les cas. On fait de l'intelligence, mais avant on va pousser lourd. On va pousser lourd. Moi ça n'a aucun sens. Je pousse lourd toutes les semaines. Là, vous avez vu la vidéo avec Avenir du coup, puisque celle-ci elle sort après. Waouh. Je sais pas. Oui. Oui, la vidéo d'Avenir est déjà sortie. D'accord. Donc, j'ai tapé des max toutes les semaines. Mais, on va continuer. On va monter sur le max du jour, ça s'appelle. C'est pas le max général, c'est le max du jour. Voir ce que ça donne. Et après, on part sur la prog. Mais aujourd'hui, ça va être long. Ça va être une après-midi très, très intense, très, très longue, très, très épuisante. Puisqu'après, là, on ponce cette salle-là jusqu'à la fin. Après, elle ferme. Et après, on va dans une autre salle. Et après, on travaille du coup un autre muscle qui est bien plus important que le reste. C'est le cœur. Et oui, parce que nous avons des grands cœurs ici. Nous sommes attentifs, sensibles. Et donc, il faut travailler ce cœur. Parce qu'il peut être touché parfois. Donc, il faut en prendre soin. Il faut le renforcer. Parce que parfois, on peut avoir mal à cet endroit. Tu vois ? Donc après on va faire un bon petit cardio à la night, tu vois. Nous ça change des samedis soirs de tout le monde. Hein. Après bon, c'est pas ce qu'on fait, mais... Oui, peut-être que ça se poursuit. Voilà, mais ouais, déjà, non. Dans tous les cas, on sait que, virgule, ça va chier cet après-midi. Très bien. Voilà, let's go. Je pense qu'on va morfler là. Tu vas mettre combien en prochain après? Franchement, j'en ai aucune idée, parce que vraiment, il y a pas mal de rep à mettre quand même. Hein. Donc je pense qu'on va... Je vais voir à la baisse. En fait... Rappel, technique pour le mouvement. Avant de faire un gros bench, on sait que le bench c'est un mouvement de dos. Enfin, vous savez peut-être pas, mais en tout cas, je vous le redis, c'est un mouvement de dos pour performer. Ok? Pour l'utiliser en performance, c'est un mouvement dos. Donc, là, tu vois, j'ai installé ça comme ça. Tu vois, les racks pas trop haut, avec une barre classique. Et en fait, je vais venir la saisir exactement de la prise de mon bench. Et en fait, je vais pas faire un press, là, je vais venir faire un tirage. Pourquoi? Pour préparer mon cerveau à faire exactement ce mouvement-là quand je vais prendre ma barre de bench. Parce qu'en fait, un bench, pour qu'il remonte avec de la puissance, il faut utiliser ton dos comme un élastique. Okay? Donc pour ça, moi, j'écarte mes mains sur les côtés, tu vois, j'essaie de fendre comme si la barre était coupée là. Et j'essaie de la séparer en gros. Et du coup, je mets mon dos en tension et ça devient compliqué pour moi de descendre en bas, tu vois. C'est ça en fait, je le prends à l'inverse. Je me laisse pas tomber et je me concentre pas sur la montée. Je me concentre sur la descente et quand j'arrive en bas, comme un élastique, je lâche tout et tout remonte avec beaucoup de patates. Donc en fait, ça c'est un exo de fou pour préparer à ce mouvement-là justement. Donc en fait, voilà, je vous le montre, je fais une petite série de 20 où en fait, je viens vraiment serrer mes omoplates derrière et rentrer mes coudes derrière mon buste. En entonnoir. Et après, quand on va enlever tout ça et qu'on va prendre la barre classique, bah là, ça va faire. On aura un autre effet que si on se cale sur le banc de bench et qu'on commence à s'échauffer direct. Donc, tu vois, en fait, clairement, je me cale comme ça et je vais faire des rowings en fait. Et donc là, tu vois, après ça, t'as plus qu'à te concentrer sur la coiffe de rotateur au complet. Et avec une petite activation bien sûr des pecs sur de l'écarté par exemple, des séries de 20 légers. Et après seulement, au bout de 3-4 tours comme ça, on va tout enlever, on va se mettre sous notre barre de bench et là on va commencer à pouvoir performer en toute sécurité et en ayant un système nerveux connecté à tout ce que l'on a besoin pour performer sur ce mouvement-là. Donc on fait quelques tours, les gars ils font pareil et puis après on enclenche et on essaie de performer un petit peu. Max du jour aujourd'hui, donc il faut faire ça bien au début. T'as vu, c'est comme ton... C'est la même prise que le bench.
j'ai compris, t'as pas besoin de me parler, j'ai compris. Ça devient de plus en plus du jus, du jus d'orange. C'est vraiment du vent, là. C'est du vent, frère. Vraiment, tu sais, c'est un vrai plaisir parce que je la déraque. Bam. Je prends le temps. Je la pose. Elle remonte droite. Alors qu'il fut un temps, je me barrais à droite. Je me rappelle. Et comme je l'ai enlevé de mon entraînement pendant un moment, le bar là, et qu'on a fait pas mal d'alter, j'ai reset un petit peu mon schéma nerveux. Du coup, là, je reviens bien proprement dessus. Après, je peux prendre un stop plus au-dessus, tu vois. Là, ça fait 3 semaines que j'enchaîne que des perches dessus, tu vois. Mais on est là pour ça, on est là pour pousser lourd un peu, hein, de toute façon. On est là pour faire de la force via l'hypertrophie. C'est ça que j'appelle, c'est de la force via l'hypertrophie. Myofibrillaire sarcoplasmique. Donc là, on pousse lourd au début, et après on passera sur une méthode toujours sur la barre. Mais là, 160, ça s'envole, hein, ça s'envole bien, quoi. Donc bah, l'idée, on regarde le max du jour, on regarde. Let's go. C'est décisif ce genre de barre, on y va. Quand tu veux dessus. Sims, dans une vie, il faut aller la chercher cette barre. 180, frère, c'est vraiment, c'est un accomplissement. C'est l'élite. 180, c'est vraiment un palier de fou. Mais il y aura 200 un jour. Yeah. Allez. Bah c'est bon, je m'arrête là pour aujourd'hui. Hein. Là c'est clair là par contre. Bah ça. Je suis parti un peu vite mais je la monte ça. Ça. T'as fait du bench. Lundi, ouais, c'est vrai. Lundi t'as fait du bench hein, frère. En lundi. De 75, elle était lundi. Mais tu vois, avec une meilleure préparation, avec le matériel que je connais, je suis plus à l'aise d'un coup. Voilà, ça sera de plus en plus propre, mais c'est là. Très content, tu vois. Ça me met dans le bon mood pour fusiller la séance derrière. Si j'avais raté ça, je me serais dit, vas-y là, pourquoi je l'ai réussi un jour et après j'y arrive. Donc là, ça va. Monter plus haut, ça va être dégueulasse. Ça peut passer, mais ça va, hein, je vais faire un cul en l'air. Tu pas validé, tu lèves les fesses. Ah, pardon. Lever, reste assis. C'est pas les conditions de compétition. Ah mince. Après c'est bien parce que je fais pas de compète donc. Non puis sans combinaison d'astronaute c'est chaud. On va l'essayer hein, pour Simon celle-ci. C'est la barre qu'il aimerait bien toucher au pec et remonter là. En sortie de blessure d'épaule. Ça serait bien. Ça mettrait dans un bon mood là. C'est une barre, c'est un palier. Hein. 4 plaques de 20 par côté, c'est quelque c'est chose. C'est l'objectif d'une vie on était c'est en train de dire. C'est quelque chose. Après il y a la barre de 200 et là c'est un autre délire. Allez, c'est pour toi, vas-y. La longueur de la descente de baiser, j'ai cru le pec qu'il allait péter. Si c'est à la claque, genre, brah, 3, 2... Moi j'ai eu peur quand je l'ai vu ici, lui, sous tension. Parce que, en fait, dans l'idée, il faut qu'on se laisse démerder chacun, parce que sinon c'est frustrant. Si, parce que parfois, selon la technique de chacun, il aurait pu repartir, je sais pas comment il veut faire. Mais quand c'est trop sous tension avec une charge comme ça, faut se remonter. Ouais. Là, il y a 180. Le stress, il est. C'est quelque chose. Après, le placement est optimal pour enlever. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, grâce au dos que l'on met en tension, moi j'ai rien dans les épaules, tu vois. Ou très peu, tu vois, parce que je les mets vraiment en arrière. Donc en fait, il n'y a qu'un mouvement, tu vois, j'ai pas de mouvement d'épaule. Elle bouge pas de son logement. C'est vrai. Mais quand même, il y a une tension énorme. Donc attention à ça quand même. C'est pas un jeu. Mais je dis ça parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui me regardent et que mes mots commencent à avoir un petit impact. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent en salle et qui commencent à se tuer au coucher parce que c'est un exo cool quand t'as 17 ans. Et qu'ils essaient de monter, mais faites ça bien. Échauffez-vous comme on vous montre parfois, tu vois, là, comme au début tout à l'heure. Tabassez vraiment, préchauffez au maximum, et après vous montez intelligemment. Mais attention à vous, parce qu'une déchirure du pec, c'est pas drôle du tout, ok.
je ne vous le souhaite pas. Je le souhaite à personne. Donc attention, renforcez ce qu'il faut. Renforcez toute votre épaule, votre trapèze médian, votre dos, votre ceinture scapulaire en général. Faites des méthodes. N'ayez pas peur de prendre un programme. Ça sera toujours bénéfique. C'est sûr et certain. Donc bon bah là Simon il veut réessayer quand même. Et puis après on va passer sur le travail en méthode là. Pour justement devenir meilleur sur cette grosse barre, tu vois. Comme d'hab, les scapulaires, avant t'es serré, tu bloques un truc. On t'embête pas plus avec des nouvelles clés là, mais Jusqu'à temps qu'elle redescend pas, tu montes vraiment. Parce que là, en vue de la 90, elle peut. Mais tu contrôles. C'est la descente, comme sur le squat, comme sur tout. C'est la descente qui prépare la montée. Faut vraiment que ton dos soit en élastique, genre. Chacun son niveau. Il y a du 180 derrière et là il y a 100. Mais chacun débute là où il est. Et c'est un cap. Et c'est quand même le même ressenti que sous un 180 pour Pix, tu vois. C'est vrai. Allez gros. Yep. Yeah. Allez. Bam. Je vais te laisser bosser sur la montée, hein, parce que ça, ouais. Ça commence à te connecter sur une descente. Et je t'ai enlevé 500 grammes pour la montée, comme ça, à force, et avec les méthodes, bah, ça va être tranquille dans 2 semaines. Tu vois ? Parce que tu feras une montée en gamme pour 100 kg et pas pour assez de préparer. Tu vois, là, t'es déjà dans le gain. T'as fait quoi avant 90 ? 90, ouais. Ouais, c'est 95, elle passe. Tu vois, genre, je disais à Hugo, il y a une semaine, je lui dis, tu penses la 100, je l'ai quand en décembre ? Tu vois, d'accord. Tu vois, comme quoi... Le programme du V, ça fait monter. Les méthodes, non mais faut y faire de la méthode. Ouais, c'est vrai que t'as fait aussi la fameuse méthode, toi. La méthode de la puissance. La méthode de la puissance, je l'ai fait vraiment genre 3 fois. Moi, ça fait un mois que je reprends la salle. Et en fait, au départ, bah, j'étais avec mes 50 kilos, j'en faisais 8-10. Et là, ça fait un mois et j'ai fait un PR 90 kilos, et les 100 ils étaient pas très loin, donc en vrai 180 en fait. T'imagines, avec les programmes du V c'est 180 dans un mois. En fait ce qu'il faut c'est pas avoir peur de drac une barre qu'on n'est pas sûr de relever. Là il l'a fait, il y avait du monde derrière. Il faut oser. Sécurité. Il faut oser. Et il faut faire. Qu'est-ce que t'en penses toi qui a fait 160 la semaine dernière? C'est un Inception, on va dire ça. C'est Inception. Après, il a les stories, après, il a les reels. Il y a tout. En fait, il y a le vrai caméraman et derrière, il y a l'amateur. Mais tu sais quoi, tu fais des bonnes prises en téléphone. Hein. Des fois, ouais, ça va, c'est pas mal. Non, c'est pas des fois, c'est pour de vrai. C'est des bonnes prises comme ça, c'est des thumbs. C'était pour filmer 560. La tenue à déclencher des bagarres. C'est la tenue de baston, ça. T'es ample, t'es souple. Bon, là, t'es parti chercher les batteries. Ouais. Parce que la caméra, elle a shut down. Et pendant ce temps-là, on a continué tout le renfo. On a fait un petit drop set là-bas. Drop set mécanique au bench avec 100 kg. En augmentant la hauteur, réduire l'amplitude. Ensuite, on a fait renfo dumbbell. On a fait là. Écarté poulie vis-à-vis avec un élastique pour réduire la tension en haut du mouvement pour pas se niquer trop les épaules. Et puis là, on finit avec une petite méthode avec de l'isométrie. 8 reps, 8 secondes en haut, 8 reps, 8 secondes en bas et 3-4 reps pour finir. Et ça va être très très bien. Ensuite, ça va décaler pour le cardio. Et là, tu vois, c'est comme ça. Et imagine, tu fais ça tous les jours. Imagine, tu fais ça tous les jours. Tu manges bien, tu dors bien. C'est, tu vois la recette ? C'est pas compliqué, il faut un bon programme et il faut s'arracher ensuite, t'as plus qu'à le suivre les deux pieds dedans. Donc là c'est suffisant, tu vois, au bout d'un moment on sent la fatigue qui commence à redescendre. Là moi je vais envoyer pas d'amende, shaker, de la puissance. Je suis passé chez l'herboriste tout à l'heure. C'est à dire qu'en plus du Broadway, c'est à dire whey, créatine, collagène, je rajoute 2-3 trucs. C'est à dire gingembre, curcuma, moringa. Tout à l'heure si on va chez toi. Exactement, des petites herbes comme ça pour... avoir des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments et puis être au maximum. En fait, j'optimise tout ce que je peux. J'investis beaucoup
Tu vois, moi heureusement j'ai Broadway, j'ai ce sponsor là qui me soutient et c'est grâce à ça aussi que je peux performer autant. Parce que ça consomme un bébé de 100 kg comme ça, tu vois. Donc et après autour je vais chercher mes petites précisions, un petit peu de plantes et c'est top. Voilà, donc là après là j'ai hâte, tu vois. Là on a fait de la force, j'ai hâte d'aller m'aérer, ouvrir les alvéoles, me décrasser un peu. Puis après bah voilà, c'est un joli petit samedi soir, tu vois, où ça s'entraîne. Ça s'entraîne jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et puis après on mange bien, on mange propre. Je vais caler le petit shaker maintenant entre les deux séances parce que sinon je vais disparaître avec un, je pense. Parce que là je vais me mettre un wood, ça va pas être. C'est comme je dis souvent, ça va être court et intense, tu vois. Mais c'est le but, j'ai pas envie de faire de m'éterniser. Faut juste me faire un truc complémentaire à ce que j'ai fait là. See the trails of time lapse people, the rush of sight and sound. Each a spark to flash and fade out, making moments out of hours. In a slow stop motion corner, a cut of stillness through the sea. Parce qu'être bon ne suffit pas, comme j'arrête pas de le rabâcher. Deuxième séance, je conçois que ce soit un style d'entraînement un peu adapté à moi. Tu vois, tout le monde ne me suit pas forcément. Tout le monde ne comprend pas forcément ma logique. Pour autant, moi j'aime bien être partout. J'aime bien pousser une grosse barre, comme vous avez vu juste avant, faire une séance purement structurelle. Mais pour moi, ça ne me suffit pas, tu vois. Ça suffit pour l'objectif qui est de se renforcer musculairement. Mais là, déjà moi j'ai un Mont Blanc là. Dans combien de temps? On est quoi, mars? En 2-3 mois là, c'est comme ça. Ça vient très très vite. Et donc plus je suis à l'aise et plus je vais l'apprécier. Donc là, prépa Mont Blanc, je commence à l'inclure petit à petit dans mes séances, en gardant tout mon volume de travail lourd, etc. Force via l'hypertrophie, comme je vous ai dit. Comme ça, ça répond à tous ceux qui me demandent combien de séances tu fais levé? Bah c'est entre 5 et 6, voire 7. Je m'écoute en fait. Si je sens que je suis fatigué, tu vois, là j'étais fatigué, j'ai pris 1-2 jours de récup. J'ai fait un jour de récup, un entraînement, un jour de récup, et là aujourd'hui, tu vois. Parfois je mets 2 jours de récup collés, parfois je mets rien pendant 2 semaines parce que je suis trop chaud. Tu vois, ça dépend, avec la micronutrition autour, le bon sommeil ou quoi, le stress au quotidien. Bref, là je me sens chaud. La première séance était très très intense, mais elle m'a pas suffi. Et j'avais prévu, de toute façon j'avais prévu, je me suis levé ce matin, j'avais prévu de faire ça cet après-midi et là de venir ici en fin de journée. Tu vois, la nuit commence à tomber, peu importe, c'est samedi soir, on termine. Donc là je vais mettre un petit WOD efficace, je choisis juste un ergomètre, tu vois là je vais mettre ski erg. 40 calories, 30 calories, 20 calories. Et entre chaque set, je vais caler un 15-12-9 sur des exos différents, tu vois. Donc là, ça sera des handstand push-up. Je sais plus, après je vais les faire au fur et à mesure, je les ai écrits là, je vais changer, tu vois. Enfin, je vais mettre des tractions. Et puis sur le deuxième, je mettrai des pompes et des toasts to bar. Voilà, nickel. C'est global, tu vois, petit coup de cardio, mais on garde du musculaire. Bah, c'est parti, ça va pas être très long, mais il faut que ce soit intense. Allons-y.
bon pour aujourd'hui, ouais, c'est terminé. Bah les gars, on se rejoint chez moi là. Ouais, c'est ça. On tire 2-3 tunings là, vite fait. Là. Oui, en rentrant. Et puis bah là, pizza. Là, il faut, là. Mais, tu vois, en fait, c'est ça, c'est bien. Là, vous avez tout vu. Parce que bon, des fois, on monte des restos, on monte des côtes de bœuf d'1,4 kg. Mais il y a ça avant, tu vois. Ouais, donc, vrai. Tu peux vivre comme tu veux, mais il faut faire le taf avant. Et comme ça, t'as vu, j'ai aucun remords à aller m'éclater une carte fromage tranquille, tu vois. Déjà, j'ai besoin de sel à mort, parce que là, je suis sec à mort. Et en fait, t'as vu, j'arrive à conserver une masse musculaire et à bouger mon corps. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut faire ça à côté, parce que si tu fais que full force muscu, tu deviens raide comme un bâton. Déjà, là, je me sens un peu lourd, mais il faut conserver un muscle puissant, tu vois, un muscle pliométrique. Faut pas faire juste de la force et bêtement, tu vois, il faut être capable de pouvoir courir à côté. Pour la vie, pour durer dans le temps et être à l'aise, à mon sens, c'est le plus intéressant. Donc, et puis après, ça dépend des objectifs de chacun. Tu vois, après, si tu veux t'ultra spécialiser et faire une énorme barre, forcément, ça c'est un peu à contresens, mais quel est le plus important? Quel est le plus important? Être compétiteur un court instant ou être une machine sur le long terme? Tu vois, c'est un juste équilibre. Voilà, après... Moi j'ai un bel objectif, 4800 mètres d'altitude, belle expérience, donc il faut se préparer à ça quoi. Il faut pouvoir porter lourd et il faut pouvoir durer 11 heures de marche dans la neige à moins 15 degrés, donc ça c'est cool. Pizza, petite boisson, je sais pas les gars, ils sont partis chercher des trucs, et puis bah c'est la boucle, tu vois, là on se détend, on dort et demain on la remet encore. Sauf que demain on la remet plus en volume et sur les cuisses, donc là ça va vraiment être, c'est encore du 2h-2h30 d'entraînement, mais c'est ça, tu vois, c'est en fait, comme j'avais déjà dit, comment tu places, tu vois, quelles sont tes priorités, comment tu les places dans ta vie, c'est juste ça, tu vois. je la sens pas du tout cette histoire. Mais on mérite, on s'est entraîné. La soirée s'annonce vraiment longue. Non mais là on va aller bouffer là tranquille. De toute façon on va pas aller bien loin, hein. On traverse la rue. On traverse 8 balles, et je me suis pizza comme as, de quoi se remettre du sel dans le corps. Et puis petit apéro quoi, tranquille les gars, ils ont ramené la bête. Elle est au frais. Ils ont été chers. Elle est déjà au frais. Moi je bois pas moi. Ah oui d'accord. Elle est déjà au frais, ouais. Faut toujours essayer de fournir, tu vois. Essayer d'avoir un approvisionnage avant que ça se décharge. C'est la bon allez, on va bouffer. C'est toi, Merguez. Qui c'est qui a pris Merguez? Moi j'ai fait chorizo Merguez. T'as recommencé toute la pizza, cousin. C'est toi, Merguez. T'as fait la recette. C'est pizza mini-V, genre. C'est j'ai enlevé trois trucs. Ensuite, viande hachée. C'est pas moi. Ça c'est toi, peut-être moi, non? Non, moi non, c'est pas moi. Hein. Suprême, ça c'est peut-être moi. Non, ouais, c'est peut-être toi. Viande hachée poivron. Toi t'es un suprême. Non, il fallait un peu de légumes. La crème, la crème. Ensuite. Ça c'est. Chicken. Voilà, pas mal. Ça c'est chicken, ça. Elle a l'air vraiment pas mal. Hein. Mais. Ça c'est Simon, ça je crois. Jambon de terre. Il prend les patates. La pizza du chef. Les gars, moi quand je vois ça c'est wow. Sauce barbecue. On voit le bail, on voit le bail. Ça c'est le caméraman. Et la quattro formaggio. Non, on est bon. Quattro queso. La tienne elle est énervée. Quattro queso. Personne ne prend de couvert, on est d'accord. Regarde, tu veux faire un petit plan, regarde. Les petits morceaux de chèvre et tout. Vraiment là, on va taper. On est des hommes ici, pas de couvert, on mange avec les mains. Toujours avec les mains. Toujours avec les mains. C'est important. La rigidité. Être rigide. Flexible. C'est le plus important. Voilà, cousin, t'es dans le bloc. Ah, gros, t'es pas. C'est un bon, c'est malade. 18 ans. Un jour, en vrai, on les rencontre en vrai, c'est cool. Par contre, c'est pas charbon ce qu'il fait, c'est pas charbon. Un jour, il s'en va. Allez, Valentin! Mais toi, t'es dans la même salle que nous, gros! Bah oui! Ouais, je te le vois tous les jours, cousin, tu viens là! Bah ouais! Heavy Sunday!
Comme d'habitude, c'est dimanche. Hier soir, c'était sympa avec les copains. On est sortis, on a pris du bon temps. C'est très important parce que toute la semaine, on est à fond. On est à 200 à l'heure. Et s'il n'y a pas ce petit sas de décompression, ne serait-ce qu'un resto ou une bonne soirée avec les potes, ça ne peut pas continuer comme ça dans le temps. Donc, il faut savoir s'amuser. Il faut savoir être flexible. Mais tout de suite, le lendemain, retour à la rigidité. Aujourd'hui c'est très rigide, c'est du Zercher squat à dominante cuisse de toute façon, là tous les exos qu'on va faire. Mais dans l'idée c'est de mettre un peu lourd quoi, c'est la séance un petit peu plaisir, c'est le dimanche. Le message a été posé, les gars sont au courant, telle salle, 17h, je rejoins tout le monde, je file la caméra au GED pour qu'il reprenne les commandes. Et on vous envoie, on continue de vous envoyer cette dose de motivation. La vie c'est beaucoup de plaisir aussi. Mais pour apprécier ce plaisir-là, il faut savoir se remettre les deux pieds dedans, bien comme il faut, régulièrement. Donc là, bah, c'est grosse séance, comme tous les dimanches, toujours à la même heure. Et puis après, voilà, fin du dimanche, retour à la semaine. Et c'est comme ça qu'on avance. Retour aux choses essentielles, dès demain matin, très tôt. Let's go. Heavy Sunday, c'est parti. Heavy Sunday. C'est bon, je me suis relibéré de la caméra. J'ai deux plans. c'est parti. Il va falloir qu'on se réveille parce que tout le monde sort de la sieste là. Putain. Mais le dimanche, c'est le seul jour où on peut pousser comme des bœufs. On peut forcer, tu vois. On peut vraiment. On a le temps, on a dormi suffisamment, on a mangé. Il y a du temps devant nous, quoi. Et il y a le temps, exactement. Il y a le temps de bien s'échauffer. De toute façon, il y a tout le temps de bien s'échauffer. On y va. Quoi? Moi, ce que je comprends pas, pourquoi t'as du maple syrup dans la bouche? Je croyais que t'avais pris un fond de sky. Un fond, c'est du whisky. Ouais, qu'on l'essaye. C'est un flash pour voir ça. Parce que comme on prend un petit booster et que selon celui qu'on prend, parfois il peut avoir un peu de créatine, j'aime bien avoir un petit coup de sucre. Petit coup de sucre, ouais. Comme ça, je me remets un petit coup de jus, tu vois. Et puis bah, après, dans ma bouteille d'eau, j'ai une source de sucre rapide, comme ça, je suis bien tout au long de la séance. Et j'ai pas de pic, tu vois. Carré. Effectivement, je crois que je suis tout seul à faire ça sur cette planète. Ouais, moi à ramener du sirop d'érable, frérot. Et tu fais aussi avec le. Comment il s'appelle? Le lait concentré, là. Moi, tu vois, au quotidien, dans ma voiture, il y a des ficello, la viande de grison. Ça me fume, ça. Viande de grison, une petite boisson énergisante, ça, il faut que j'arrête, ça, j'avoue, faut que j'arrête. Et lait concentré. Carré. Et je tourne à ça, comme ça, toute la journée. Et ça, je mets ça vraiment quand j'ai besoin de jus, tu vois. Là, j'ai besoin de. Parce que là, on va envoyer un peu fort. Donc. C'est bon ça, c'est drôlement bon, un petit plaisir. Vas-y, on voit. C'est la recharge. Parce que là. Reload. Là, c'est bientôt la compète pour Valentin. Donc là, c'est la recharge juste avant de monter sur scène. Nickel. Ouais. On peut s'amuser, mais il faut revenir sérieusement. C'est bien, on a rigolé deux secondes là. Maintenant, c'est un beau warm-up. J'ai envie de pousser là. Là, je suis bien. Bande de boxe. C'est ça. T'as vu comme le petit V veut tout faire comme le V Ultimus. Je vais offrir mes bandes que vous avez vues durant toutes ces vidéos. Wow, t'imagines le nombre d'abonnés qui kifferaient avoir pile celle-là. C'est cadeau, frérot. C'est quoi? C'est offert. C'est cadeau. Sûr, tu me le donnes. Ouais. Eh ouais, les gars, moi j'ai les trucs du V. Ça veut dire, je suis à relève et je vais tout baiser, moi. Là, je suis obligé. Là, je suis obligé. Là, t'as pas le choix parce que ces bandes-là, elles ont passé 250. Oh là là. Maintenant, tu vois, je suis sur du black, du all blacks pour faire. En fait, c'est les choses sérieuses maintenant. Ouais, c'est très dard. Et le bleu, blanc, rouge, là, c'est pour le petit V. Tu vois, je lègue, je transmets. Je transmets l'héritage. Ah oui, les bandes de boxe, c'est top, hein, surtout pour le sport. C'est l'héritage de la puissance. C'est l'héritage de la puissance. Non, mais ça gagne, tu vois, ça permet d'être plus confort, tu vois. Là, t'es bien, tu vois, t'es quand même mobile. Ça coûte 4 euros. Je vais acheter ça. Ouais. Je vais m'y mettre. C'est beaucoup mieux. Moi, c'est flexible. Allez, open air. 180. Barre d'ouverture. Bon match, messieurs. Et premier qui finit sous la barre. C'est une mi-temps un peu, tu vois. Oh. Hier, on s'est amusé et là, il y a la troisième mi-temps, tu vois. Ça démarre bien. Ouais,
la méchante pose en bas, toi. On dirait y a c'est rien. De pire en pire. C'est de plus en plus simple, ce jeu. Putain. Avec combien d'heures de sommeil chez toi, levé? Bah, moi, 5 heures. Lui, il a bien dormi, lui. Il est pas comme toi. Mais moi, j'ai bien dormi. Ah, ouais, toi, t'as bien dormi, c'est vrai. C'est toi, le l'agitement perdu en batteur. Non, en vrai, juste couché tard, mais ça, ça flingue tout, normalement. Mais... Hydratation. Je n'ai pas pour habitude de prendre des excuses. Ouais. Parce que j'ai dit, on peut s'amuser, mais il faut assumer. Exactement. Donc là, maintenant, c'est juste un déclic dans la tête. Faut surtout pas faire la séance en mode « Ah oui, mais je vais pas être bon puisque hier... » Non, non. Ça, c'est ça c'était hier. Ça, c'était hier, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, t'es à la salle. Donc, en fait, tous les jours, t'es à la salle. Je veux rien savoir. Donc, tu t'es amusé hier, t'as bu de l'alcool, t'as mangé comme une merde. Aucun problème. Le lendemain, tu viens, tu fais le taf. Tu seras sûrement pas aussi bon que d'habitude, mais... Il faut pas se dire ça. Il faut venir. Il faut venir, c'est peut-être ça, que tu vas le ressentir, mais il faut avoir le mindset de... C'est comme d'hab. Et tu peux être surpris hein, par les performances, hein, oui. Dans les conditions. Et tu peux plutôt te mettre ça en tête, de te dire, imagine, je suis bien. Voilà. Et là, c'est encore plus gratifiant. Et ça peut arriver. Hein. Des fois, le nerveux d'un après-soirée... Regarde, toi, ton squat, il est cul par terre, trois boules. Là, il est au sol. Là, t'es bien. Je monte à 220 directement là. Le drop est large, 180-220, il n'y a pas de plaque de 10 aujourd'hui. C'est full 20, full 20 kilos. À tout le monde là. Non, ah non, non. Si, ça met un coup de barre. Non, non, non. Moi je la voyais monter, gros. J'ai le somme pour toi, tonton. Il y avait la place pour que ça monte, mais. J'ai le somme pour toi là. Elle commence à glisser ici. Mais en tout cas, le dos ne se casse pas. Tout est calé. C'est purement le nerveux là. C'est purement le nerveux qui, bah, forcément, manque de sommeil. Déjà, lui. Mais elle est là. Hein. On l'a retenté, hein. Peut-être 205 avec une belle prépa, une belle bulle, une bonne atmosphère. Ou un beau 200, exactement. Plus lourd peut paraître plus simple aussi. Donc, à voir. Allez, en plus fois 2. Ah, ça pèse tout à l'heure. Je vais mettre 200 après, je vais essayer 200. Là, il a respecté la règle de la chaîne, c'est-à-dire tant qu'elle t'écrase pas, tu continues. Tu vois. Sinon, tu sais pas où tu t'arrêtes. J'aime beaucoup ça, tu vois. Bah, 2 reps à 200, c'est bon ça, nickel. Bah, du coup, je vais te suivre. Moi, je vais faire un max de reps à 200 juste après. Là. Combien j'en fais? Combien j'en fais? Ah. Ah. Ah.
Ce qui s'appelle l'intensité. Alors me parlez pas d'intensité quand vous faites des élévations latérales. Quand vous faites tout. Quand vous faites du leg extension. Quand vous faites des machines. L'intensité c'est ça. C'est-à-dire tu pars pour un max. Et quand ça commence à être horrible, quand tu commences à plus sentir ton corps, tu vois, dès la cinquième, je commençais à plus sentir mes jambes. Il y a un moment donné, j'ai continué uniquement à la tête. Je ressentais plus rien. Et les deux dernières, c'était légendaire. Uniquement à la tête. Et en fait, je me suis tellement surpris d'aller jusque-là que j'en ai peut-être raté une ou deux, tu vois. Non. Je pense que j'avais j'avais peut-être 12, 13 si j'étais en confiance du chiffre que je pouvais réellement faire. Mais là en fait c'est tellement énorme. Là c'est bon, ça me suffit. Tu vois, une seule série comme ça, ça vaut tout le reste. L'intensité c'est ça. C'est de lâcher les chevaux et de ne pas s'écouter sur l'instant. Et là on y est là. Là c'est sérieux. Objectif 80. Bah on passe direct aux archers comme ça en force de dos. Là Tristan il vient d'essayer un max. Et ce qui manque souvent c'est bas du dos, enfin dos d'ailleurs, le rachis complet et moyen fessier. Souvent, très souvent. Ce qui fait que le bassin se lève en premier, les quadriceps sont suffisamment forts mais c'est le bassin qui se lève, du coup ça écrase vers l'avant. Donc là on est en train de tabasser ça. Ça c'est un exo que j'adore, que j'ai souvent mis. Et là, pareil on remet lourd, tu vois il y a 180 là et puis c'est parti tu vois. La dernière fois qu'on a fait ça j'avais mis 200, j'avais fait juste une barre. Mais je sentais que j'en avais encore sous le pied. Aujourd'hui, je sais pas, parce que là, la série d'avant, elle m'a mis vraiment une stratosphère, laisse tomber. Donc, j'ai récupéré mes esprits. J'ai perdu beaucoup d'énergie. J'ai repris un petit coup de sucre, j'ai repris un petit coup de sirop. Et puis, petit coup de sirop d'érable. Et puis, hop, ça repart tout de suite. 180, on fait du 1, 2 reps. Et on reste dans le heavy. Dans le heavy. Et si on veut dire en français, lourd. On reste dimanche lourd. Pour ceux qui n'ont pas compris. Voilà, exactement. C'est une très bonne séance en tout cas. Moi je trouve que c'est une très bonne séance. Pour les festivités, c'est bien. On a su. Parce que hier, on a vraiment fini tard. Il y avait très peu de sommeil. Et là en vrai, on a quand même réussi à envoyer. Il y a des fêtes, comme moi. Mais c'est juste pour encore mieux rebondir et être encore plus fort plus tard. Toujours rebondir. Rester rigide. Toujours rester rigide. Bon allez, la barre légendaire sur le Zercher là. Aucun matos, je suis protège-dents. Après tout ce que je viens d'envoyer au squat, ça commence à être sérieux. Je te le cache pas. Mais la vraie force, elle ne réside pas dans la capacité à frapper fort. Elle réside dans la capacité à se faire frapper sans se briser. Tu vois, rien à voir. Donc là, 200. Et normalement, vas-y, pas de protège-dents, j'y vais comme ça. Terminé, et bah tu vois, c'est très très bien pour un week-end comme ça, c'est parfait. Donc, moi je suis là, je vais redescendre là, tu vois, tranquillement là. On va envoyer un repas, laisse tomber, comment on va se remettre dans l'axe, on va se remettre droit dedans. Et on se laisse là-dessus, tu vois, à chaque fois qu'on termine, il fait nuit. Ouais. Et en fait, globalement, toute l'année, on commence quand il fait nuit la journée, on termine quand il fait nuit la journée. On fait le tour du cadran. Donc les gars, continuez dans la même optique. Ayez une force indomptable. Et croyez en vos capacités, comme d'habitude. Et poncez vos projets jusqu'à ce qu'ils fonctionnent. Jusqu'à la dernière goutte. Et encore, c'est jamais terminé. Croyez vraiment dur comme fer. Et puis bon, on va voir. Hein. Nous, c'est ce qu'on fait. C'est la ligne directrice. Et c'est en train de marcher. Oh, tu rigoles, toi, tu veux que je t'arrache ? C'est ça, du coup, c'est la Je peux faire vite fait un plan sur ma voiture.
Le mot de la fin, les gars. excellente séance pour le coup. Et vraiment top. Bonne semaine. Et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Du très sale s'annonce. Ciao. Allez, bonne demain. Moi, juste à dire un truc. Depuis que je suis dans les vidéos, j'ai pu me coffrer un petit GTI là-bas. 8 GTI. Ah ouais, c'est le tien. Ouais, c'est le tien. C'est le mien. Et je vais rentrer avec. Vas-y, vous verrez ça. Vas-y. Le week-end prochain. Vas-y. Ciao. C'est bien, mon gars.